Bonjour, bienvenue Jean-Camille, les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle Rasoul, donc c'est la poudre lavante que je teste actuellement sur le visage. Une poudre d'origine minérale qui peut servir à laver les cheveux, la peau, faire des masques, qui est géniale. C'est juste de la poudre qui vient du Maroc, 100% naturelle, minérale, qui absorbe les toxines, les impuretés et qui fait place neuve. Vous pouvez l'utiliser pur, comme je suis en train de le faire juste avec un petit peu d'eau ou avec des huiles essentielles ou des huiles végétales. Et j'ai choisi la marque Arc-en-Ciel, car c'est une marque, vous allez voir les informations en dessous, qui respecte des valeurs éthiques quand on prend des produits. Bien de savoir si les producteurs locaux ont été respectés, si le produit a été acheté au prix, au bon prix. Le côté que j'ai traité avec le masque et le côté qui n'a pas été traité, on voit que là c'est plus lumineux et là que c'est un peu plus terne. Alors on voit bien que là j'ai la peau beaucoup plus lumineuse que de ce côté-là. Et au toucher, même sans toucher, là j'ai pas du tout la peau qui tire sur le côté où j'ai fait le masque. C'est incroyable parce que souvent après un masque d'argile, on a un peu la peau qui tiraille. Là, pas du tout. J'ai aucune sensation d'inconfort. C'est comme si j'avais rien fait. Mais quand je touche, j'ai la peau d'une douceur. En rinçant, j'ai fait des petits mouvements circulaires, donc ça a fait peeling. C'est super. Donc je vais aller me traiter l'autre côté tant qu'à faire. En plus, il m'en reste. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je vais tester sur mes cheveux. Mais côté peau, génial. Donc je vous invite à aller voir la marque Arc-en-Ciel qui est super. Ils ont plein d'autres produits, des huiles, des produits de la mer morte, des produits bio et qui respectent les producteurs locaux. Je vais tester de l'huile d'argan de chez eux parce que je veux laisser pousser mes cheveux et je veux avoir de beaux cheveux. Donc il faut qu'ils soient nourris. Et également une crème de nuit, parce que la crème de nuit, c'est un peu le produit qui fait défaut chez moi en ce moment. J'avais envie de trouver une bonne crème de nuit bio, tant qu'à faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochains moments ensemble. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous procurer du Rasoul et à vous faire jolie peau. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. De ce côté-là du visage, on va voir l'avant et l'après. Aujourd'hui, j'en ai marre, je rêve pas dans ma vidéo. Le Rasoul, c'est quoi? C'est une poudre. Bop. Bien, aujourd'hui, on se retrouve pour des frites. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler Rasoul. Donc, c'est une poudre lavande. Lavante. Putain ! De pâte. Et après, elle absorbe. C'est le mot AD. Elle absorbe. C'est une. Oh putain ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je fais la folle comme d'hab. Mais je.